Vous souvenez-vous de l'autre nom de l'ordre du Temple? Les pauvres chevaliers du Christ. La règle, écrite par Bernard de Clairvaux, inspirée par l'ordre cistercien auquel appartenait l'abbé, stipulait que les chevaliers étaient voués à la pauvreté. Et pourtant, sa renommée fut telle que les dons abondèrent et que rapidement, l'ordre se trouva suffisamment riche et puissante pour susciter la convoitise du roi de France. Certains connaissent la fin tragique de l'ordre templier près de 2 siècles après sa formation, grâce au roman de Maurice Druon, Les Rois Maudits. L'auteur y évoque en effet comment la perte définitive de la Terre Sainte après le siège de Saint-Jean d'Acre en 1291 marqua le début d'une lutte entre le pape Clément V et le roi Philippe le Bel, dont la première victime fut l'ordre, qui fut finalement dissous le 13 mars 1312, à la suite d'un procès pour hérésie durant lequel on condamna au bûcher Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers. Aujourd'hui encore, nombre de spéculations et de légendes courent sur le compte des Templiers. Mais laissons là les contes et intéressons-nous à ce qui constituait le véritable trésor de l'ordre du Temple. Sachez que ce n'est pas tant l'or et les bijoux, comme on a tendance à l'imaginer, qui rendaient les Templiers si riches. En vérité, leur plus grand bien, c'était leur terre. En effet, ces moines combattants étaient avant toute chose de grands propriétaires terriens. Ils achetèrent et reçurent en don des hectares et des hectares de prés, de champs et de terres arables en tout genre, sur lesquels ils bâtirent leur commanderie et dont ils exploitèrent les ressources. Bien évidemment, la légende repose sur un fond de vérité, et les Templiers ne manquaient pas de monnaie sonnante et trébuchante. On a même retrouvé, près de la commanderie de Pain, lors d'une fouille archéologique en 1998, un pot de pièces d'argent que l'on peut admirer aujourd'hui au musée. Mais figurez-vous qu'on soupçonne ces pièces d'avoir appartenu en réalité, non pas aux Templiers, mais à un marchand de passage. Vous en savez un peu plus sur la richesse des Templiers, une richesse certes moins fantasmatique que les monceaux d'or et de pierres précieuses qu'on leur attribuait, mais pas moins colossale, soyez-en sûrs. Une rumeur veut d'ailleurs que 15 chevaliers se soient enfuis du temple de Paris en compagnie d'un énorme chariot la nuit précédant la rafle de 1312. Quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères un peu spécial et surtout une exclusivité. A très bientôt.